C'est avec sourire, signe incontesté d'une joie immense d'y retrouver ses administrés, que la gouverneure de province a regagné sa juridiction dans la matinée de ce lundi 14 novembre par l'aéroport national de Colosie. C'est là après une mission d'intense activité à Bruxelles et aux États-Unis d'Amérique pour booster les développements du Lualaba sur recommandation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Membres du gouvernement provincial, membres de son cabinet et ceux du Conseil provincial de sécurité ont fait les déplacements de l'aéroport afin de réserver un accueil délirant à la chef de l'exécutif provincial. Se confiant à la presse, Fifi Masuka Sene a fait savoir que sa mission a consisté à faire le marketing politique de la province du Lualaba en vantant les potentialités inédites que regorge cette partie de la République démocratique du Congo. Il était aussi question pour elle de palper les différentes stratégies mises en œuvre pour développer tous les secteurs de la vie au Lualaba. Nous avons fait pratiquement le doing business tout en allant vers ceux qui veulent venir investir en République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup de besoins et ces besoins nécessitent d'autres expériences que nous n'avons pas. Voilà, c'est ce que nous avons voulu faire, aller vers les autres, leur dire que nous avons des besoins, ils ont aussi des besoins et c'est ce qui constitue pratiquement l'économie ou le commerce interpays. Et interpellé par là, nous voyons la RDC à travers la province du Lualaba vers les autres pour les attirer à venir chez nous. Vous nous avez vu en Belgique, c'était par rapport à notre aéroport. Construire l'aéroport, c'est très bien, mais ce qui vient avec demande beaucoup d'expérience. Mais nous avons des besoins en énergie, des besoins en construction, des besoins en véhicules et tout ça. Ça nous a permis de comprendre comment ça se passe ailleurs et que nous puissions ramener aussi ce que nous avons vu ailleurs. Touché par l'agression dont est victime notre pays dans la province du Nord Kivu, Fifi Masuka Sene a réitéré son indéfectible soutien aux forces armées de la RDC avant d'inviter les jeunes de sa province à répondre massivement à l'appel du président Tshisekedi afin de rejoindre l'armée pour mettre fin à cette guerre imposée par les Rwandais. Nous demandons à notre Dieu d'accompagner nos forces armées pour qu'ils puissent vaincre l'ennemi. Nous allons demander à la population de la province de Lualaba de soutenir son chef de l'État, de soutenir l'armée qui est en train de tout faire pour que toute la République soit en sécurité. L'autorité provinciale reste donc déterminée à poursuivre l'élan des changements d'image de la province de Lualaba selon la vision politique du président de la République.